Bonjour, chers participants. On vous souhaite la bienvenue tout d'abord à ce module en rapport avec la formation en ligne pour exploiter le potentiel numérique pour accélérer l'agri-entrepreneuriat et la croissance, co-organisé par l'IDEP, la FAO et l'Union africaine. Ce second module s'intitule Concevoir et piloter avec succès un programme ICT pour l'agriculture, un programme de digitalisation. L'objectif de ce module, pour rappel, c'est de rappeler qu'on a déjà approfondi dans un premier module les concepts de base pour comprendre le positionnement, la digitalisation de l'agriculture dans la transformation digitale en Afrique. Par le document qui a été fourni et qui a été prêt par les partenaires au cours, qui est la FAO. Nous avons aussi vu la stratégie de digitalisation de l'agriculture développée par la FAO et on a aussi vu les statistiques en termes de perspective pour la digitalisation. Dans ce module, on va aller un peu en profondeur pour vous donner les bases qui vous permettront vous-même de concevoir et de piloter avec succès un programme ICT for Ag. Donc, l'objectif de ce cours est de vous donner des fondamentaux de ce qu'on appelle les principes du développement numérique. Et ces principes sont au nombre de 9. Nous allons les détailler tout au long de ce cours. Nous allons aussi vous montrer des cas d'études qui ont utilisé ces principes. Et naturellement, pour profiter pleinement de ce cours, et en savoir plus, vous devez lire le matériel de cours complet qui accompagne le narratif du module. Ces ressources sont téléchargeables à partir de la plateforme. Je vous ai parlé tantôt du principe digital développement. Vous pouvez retrouver les informations concernant ces principes qui sont au nombre de 9 autour du site digitalforprinciple.org. Ils sont accessibles en ligne, mais naturellement aussi à partir des documents que nous avons fournis. Ces principes sont au nombre de 9 que je vais citer et que vous voyez à l'écran. C'est concevoir avec l'utilisateur, comprendre l'écosystème existant, concevoir à grande échelle, construire pour la durabilité, se baser sur les données, utiliser des normes, des données et des sources d'innovation ouvertes, réutiliser et améliorer, prendre en compte les questions de confidentialité et surtout collaborer dans la mise en œuvre des projets. Au détail, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut comprendre que ces 9 principes ne sont pas des principes rigides, ils sont agiles. Ils sont mis à jour et entretenus par une large communauté d'utilisateurs qui souscrivent à ce qu'on appelle les principes du développement numérique, ou en anglais, it is the principle of digital development. C'est des centaines d'organisations. Ces principes sont issus d'un travail de longue, disons, de plusieurs étapes. Et ces principes sont endossés et utilisés par plus d'une centaine d'organisations du développement et naturellement de grandes organisations. C'est fait de telle sorte que ces principes sont élaborés de telle sorte qu'on puisse, en les utilisant, minimiser le risque d'erreur sur la conduite des projets parce que on le sait tous, en dépit de la digitalisation croissante et rapide de toutes les sphères de la vie humaine et naturellement de tout ce qui concerne l'activité socio-économique, malgré les réussites, les innovations qui sont posées à partir des outils digitaux, beaucoup de projets en lien avec les questions de développement, de digitalisation dans la sphère du développement plutôt,
peuvent échouer ou ont du mal à passer à l'échelle. Et pourtant, ces difficultés à passer à l'échelle, ces échecs pouvaient être évités. En faisant quoi? En essayant d'utiliser les principes que nous avons indiqués à l'entame de nos propos, à l'entame des propos, en prenant simplement dans la définition, dans la conduite des projets aussi, de démarrer par ce qu'on peut appeler le concept de concevoir avec l'utilisateur. C'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, il ne s'agit plus de concevoir pour les utilisateurs, mais il s'agit plutôt de concevoir avec les utilisateurs. En incorporant de multiples types d'utilisateurs et d'intervenants lors de chaque phase du cycle de vie de projet pour répondre aux besoins exposés et revoir la conception. On doit aussi avoir à l'esprit de développer des outils de manière itérative en ayant en tête des objets et une finalité claire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre et prioriser les besoins des utilisateurs, savoir en réalité qu'est-ce que l'utilisateur a besoin. Dès qu'on a compris c'est quoi les besoins de l'utilisateur et c'est quoi les priorités dans ces besoins de l'utilisateur, on peut faire une deuxième analyse qui est aussi de comprendre dans quel écosystème on va travailler. Et l'écosystème ici est à prendre au sens large. Ça peut concerner l'environnement culturel des utilisateurs. Et quand on dit ici utilisateur, c'est toutes les parties qui sont impliquées dans l'utilisation de l'application, de la solution ou bien des services digitalisés à mettre en œuvre. Savoir dans quel environnement cet utilisateur baigne. Comprendre aussi quelle est l'infrastructure, le niveau de l'infrastructure technologique qui va héberger l'application, voir par exemple si les tarifs des pratiques télécom sont adaptés pour permettre aussi le développement de ce outil. Il est important de le savoir déjà dès qu'on est en phase d'analyse de ce projet. Aussi, dès le début du projet, se projeter vers le futur en concevant à grande échelle et pour la durabilité, à grande échelle pour le passage à l'échelle, et avoir un maximum d'impact et renforcer cet impact par une continuité, par la durabilité du projet. Il faut aussi penser à la donnée. Cette donnée qui nous permet de pouvoir analyser et de pouvoir aider dans la prise de décision en exploitant des sources de données qui sont diverses, en utilisant aussi des méthodes de collecte de données très rigoureuses, en prenant en compte de potentiels biais et lacunes dans les données collectées et de pouvoir développer toute une stratégie pour procéder à des contrôles de qualité des données et conserver une documentation solide à l'appui des données requises. Aussi, il faut utiliser des normes comme principe. C'est le sixième principe. Utiliser des normes et données sources d'innovation qui sont ouvertes. C'est le principe de tout ce qui est une ouverture, de ne pas des licences, par exemple, fermées qui vont coûter plus cher en termes de maintenance de la solution, ou bien d'utiliser des données qui ne sont pas interopérables, ou bien des normes qui ne sont pas interopérables. Pensez aussi au principe numéro 7, qui est de réutiliser et d'améliorer tout ce qu'on peut réutiliser ou améliorer, ne pas recréer la roue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'analyse de l'infrastructure, sur des utilisateurs, dans l'analyse de l'écosystème, si des utilisateurs utilisaient une solution et que cette solution a des résultats, donne des résultats, mieux vaut les réutiliser en l'améliorant aussi pour atteindre les résultats qui ne sont pas pris en charge à l'instant T par cette solution. Prendre en compte aussi la confidentialité et la sécurité autour des données, autour de tout ce qui est contenu, le respect de la vie privée, et favoriser aussi la collaboration entre les parties prenantes. Voici un résumé, disons très ramassé,
ce qui est autour de neuf concepts. Mais tout ça est détaillé dans le cours en fait, qui accompagne ce module, où on l'a détaillé en profondeur en essayant d'expliquer quels sont les fondamentaux. Vous pouvez aller aussi sur le site digitalprinciple.org pour en savoir un tout petit peu plus. Comment ces principes sont intégrés dans le cycle de vie du projet? Je vais commencer par dire qu'ils sont intégrés tout au long du cycle de vie du projet, que l'on peut décomposer ici en trois étapes, en plus d'une étape transversale qui est la question du suivi et relation, qui est du début à la fin du processus. Il y a l'étape de l'analyse et de la planification, de la conception et du développement du produit, du déploiement et de l'implémentation de la solution. Sur toutes ces phases, il faut intégrer les principes du développement digital. Il ne s'agit pas d'intégrer tous les principes en même temps, les principes qui permettront d'atteindre les objectifs qui sont recherchés. La phase transversale, qui est le suivi et évaluation aussi, et du début jusqu'à la fin du processus, et qui est schématisée autour de quatre éléments clés. C'est-à-dire de commencer par établir une compréhension partagée de l'objectif du projet, d'utiliser un processus participatif pour identifier les indicateurs de performance, comme l'utilisation et la rétention. Ça, bien entendu, on peut le faire qu'avec les parties prenantes, naturellement, avec les utilisateurs. De partager nos conclusions et les données avec les utilisateurs et plus largement avec la communauté de développement numérique, de modifier le projet dans ses indices. Cela veut dire que d'avoir une démarche itérative et agile tout au long du cycle de vie du projet, on devrait pouvoir faire des tests de fonctionnement et de pouvoir les adapter en fonction des résultats à atteindre. Ce qui signifie qu'il faut incorporer un contrôle et une évaluation à chaque phase du cycle de vie du projet, de sorte à avoir une information utile sur la manière dont les utilisateurs et les intervenants sont touchés par l'outil, s'il est utilisé et s'il est arrivé au résultat qu'on s'attendait. Sur la base de ces informations, on peut identifier des opportunités pour améliorer l'outil, de sorte à avoir plus d'impact. Les phases antérieures sont des phases de test. Maintenant, dans l'évaluation, on est dans l'analyse qui permet d'atteindre les résultats, l'analyse, voir si on est en phase, on est dans une perspective d'atteindre des résultats ou pas. Comment les organisations de développement intègrent ces normes ou ces principes dans le développement numérique? Nous allons les voir au travers de cinq exemples qu'on a bien développé dans le cours, de sorte à vous donner toute la représentation de comment est utilisée de plus en plus cette question de digital développement, de principe digital développement. Les points à retenir ici, c'est que dans un projet de digital culture, et plus globalement, dans un projet de TIC pour le développement, il ne s'agit pas d'utiliser tous les neuf principes. Dans ces cinq cas, aucun de ces cinq cas n'utilise tous les principes, tous les neuf principes. Il faut se focaliser sur le principe, sur ce qui vous semble plus important pour vous pour atteindre vos résultats et avoir le maximum d'impact. Il n'y a pas de priorisation en termes d'utilisation des principes. On les a classés 1, 2, 9. Disons que, comme il n'y a pas de règle que le projet puisse avoir l'impact recherché, il faut utiliser les 9. On compte les éléments aussi que l'on puisse aussi ne pas faire de classification sur les 9 projets. Et là, nous avons présenté 5 cas d'études. Qui vont être discutées naturellement lors du forum en ligne, que vous pouvez aussi regarder issus de votre propre expérience. Le premier cas va
concernait une start-up basée au Kenya qui s'appelle Farm Inc., qui développe une solution du même nom. C'est une entreprise sociale dont la mission est d'améliorer la rentabilité des petits agriculteurs en Afrique de l'Est et au-delà. Pour ce faire, ils élaborent des solutions technologiques innovantes pour accroître l'accès au marché, améliorer la transparence et encourager des pratiques commerciales responsables. Le projet qu'ils ont développé, FarmLink a développé un projet assez innovant qui permet de conseiller et de former les agriculteurs, mais surtout qui va analyser de grosses bases de données conversationnelles et il va mettre en place une solution de chatbot qui va permettre de pouvoir voir quel est le sens des discussions sur les médias sociaux, qu'est-ce de quoi parlent les agriculteurs, et il essaie d'y apporter une réponse. Vous avez de l'info, vous aurez, en allant sur le site web farm.inc, vous avez plus d'informations dessus, mais nous avons aussi développé en détail, nous avons fourni de la documentation en détail plutôt concernant cette solution dans les ressources partagées que vous pouvez, comme nous l'avons dit, télécharger via la plateforme. Le deuxième cas concerne l'ICRISAT, qui est l'Institut international de recherche sur l'agriculture des autres, qui va utiliser les principes suivants: comprendre l'écosystème, se baser sur les données, l'utilisation des normes, des données, des sources et innovations ouvertes, la réutilisation et l'amélioration et la collaboration. C'est une série d'études, c'est une série de cas qu'on a synthétisé et le PDF est accessible aussi dans l'espace des ressources partagées pour que vous puissiez voir tout le travail que cet institut fait en termes de digitalisation de l'agriculture. Le troisième concerne les initiatives Digital for Agriculture menées par le Centre international d'agriculture tropicale, le CIAT, a commencé à explorer une nouvelle approche pour utiliser des données de gros volume aussi pour analyser les informations, aider les agriculteurs à prendre de meilleures décisions à la ferme qui conduisent à de meilleurs résultats agricoles. Ce cadre d'étude aussi est documenté. La ressource est disponible aussi dans le répertoire partagé, accessible en ligne, que vous pouvez aussi télécharger pour en savoir un peu plus et participer aux discussions qui sont organisés autour des forums virtuels de l'espace de cours. Quatrième cas, ça concerne Farm Radio, qui est une organisation caritative canadienne avec plus de 500 radiopartenaires dans presque 38 pays. Son objectif est d'aider ses partenaires radiodiffuseurs à produire du contenu. Elle met au point des scripts radio, des bouquets d'informations et un service hebdomadaire d'actualité. Et Femme Radio a commandité à une firme qui s'appelle Viamo la possibilité de digitaliser, de recueillir des besoins et la préparation des émissions aussi et la préparation aussi d'émissions pour donner de l'information à des agriculteurs. Et ils travaillent beaucoup avec des radios partenaires, ici 500, et dans un pays, ils travaillent avec des radios qui sont aussi partenaires dans le pays, en utilisant aussi des solutions digitales. Naturellement, aussi, on a mis la documentation disponible pour que vous puissiez en savoir un tout petit peu plus et pouvoir participer aux discussions qui seront. Le dernier cas concerne le projet Nathan Bay Feed the Future, qui est un projet financé par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Et ce projet, c'est où les organisations maîtrisent leurs données et sont en mesure de piloter leur croissance. Ils ont utilisé une solution développée par une firme américaine qui s'appelle Dimagi, qui a une solution qui s'appelle Comcare de collecte de données et d'analyse. Comcare est un outil qui permet de collecter très facilement des données et de pouvoir les analyser. Il est beaucoup plus utilisé dans le domaine de la santé, mais il a une version adaptée à l'agriculture qui s'appelle Comcare Agri,
Et c'est Comcare Agri qui a servi dans le projet Nathan Bay à mettre en place une solution de collecte et d'analyse de données. Et cette solution de collecte et d'analyse de données permet de pouvoir réutiliser ces données, les données collectées, dans l'amélioration des chaînes de valeur, mais surtout de pouvoir envoyer de l'information aux agriculteurs, des informations commerciales, mais aussi des informations en rapport avec le climat. Nous voici à la dernière, sur le dernier slide de cette présentation. Nous vous remercions de l'avoir écouté et nous vous exhortons aussi à télécharger toutes les ressources toutes les ressources qui accompagnent ce cours, mais surtout de les lire et de pouvoir se familiariser d'abord avec le concept des 9 principes du développement numérique, qui, pour rappel, sont des principes qui sont endossés par des centaines d'organisations qui travaillent dans le champ du développement. Et ces principes ont été élaborés de sorte à pouvoir les réactualiser, de permettre aussi que des personnes, des acteurs de développement, que des praticiens de développement puissent pouvoir aussi nous envoyer des feedbacks pour qu'on puisse l'améliorer. Donc, ces principes ne sont pas figés. Et ces principes ont pour objectif de permettre au projet d'avoir le maximum d'impact, d'atteindre le maximum d'impact, donc de résultats, mais surtout aussi de limiter les risques d'échec et de favoriser le passage à l'échelle des projets digitaux. Et là, nous avons présenté 5 cas qui utilisent les principes, et comme vous le remarquez, les principes utilisés, aucun des cas n'utilise les 9 principes. Cela veut dire quoi? Vous, dans votre démarche, vous devez savoir quel est le principe qui répond le mieux aux besoins du projet que vous pouvez lancer. Les principes sont dans le site digitalprinciple.org où vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations que ce qui a été dit dans le cours. Le cours est une introduction à ces principes pour permettre d'acquérir les bases que vous devez vous-même approfondir par vos propres lectures, mais aussi par les discussions qui se feront au travers des forums virtuels de la plateforme de l'ILEP. Enfin, nous sommes là pour vous aider à approfondir votre compréhension et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous réussissiez le cours. Au nom de l'encadrement pédagogique, nous souhaitons un très bon module numéro 2. À la prochaine. Merci.